Au titre de l'actualité, le forum Repats a remis le couvert. Ce jeudi, la deuxième édition de cet événement s'est ouverte à Abidjan, une initiative du cabinet PKD Conseil. À Cotonou, capitale économique du Bénin, s'est tenue la semaine de la CEDEAO. Il était question de célébrer le 49e anniversaire de la création de l'institution sous-régionale des peuples. Les opérations de déguerpissement à Abidjan se poursuivent. Après ceux enregistrés à Yopougon, Jesco, Mossikro, c'est le parc à bétail de l'abattoir de Port-Boué qui paye les frais. Et Séré Karim a été élu président de l'association des conseils d'administration Café Cacao de Côte d'Ivoire lors d'une assemblée générale. On en sait davantage dans cette édition. Bienvenue à tous sur Business 24 Africa. Vous suivez le journal. Merci de votre aimable attention. Après une première édition réussie en juin 2023, le forum Repass a remis le couvert ce jeudi à Abidjan pour une deuxième édition. Ouvert sous le thème « L'investissement direct de la diaspora afro-descendante en Afrique », le forum Repass vise à inciter la diaspora à investir dans le continent. Une initiative du cabinet PKD Conseil soutenue par le gouvernement ivoirien à travers le Premier ministre Robert Begré Mombé, Kone Nanorgo, Richard Akeke et Doumbia Ayouba pour le compte-rendu. L'Afrique soif de développement appelle sa diaspora au secours. Un appel entendu par James Pierre qui, revenu depuis sur le continent de ses ancêtres, s'est fait une raison. Celle d'inciter ses autres 150 millions de frères et sœurs de la diaspora à revenir en Afrique. Et c'est là que le forum Repats, dont la deuxième édition s'est ouverte ce jeudi 6 juin 2024 à Abidjan, trouve toute sa place. De faire une promotion de la Côte d'Ivoire auprès de la diaspora afro-descendante et afro-africaine pour venir investir en Côte d'Ivoire et en particulier dans les districts ivoiriens d'où une forte présence des ministres-gouverneurs. Le forum Repats, soutenu par le gouvernement ivoirien et les autorités administratives, veut donc inciter la diaspora afro-descendante à investir en Afrique. L'objectif immédiat étant de capter une bonne partie des 96 milliards de dollars de consommation transférés chaque année par la diaspora sur le continent et ensuite les diriger vers les secteurs prioritaires comme l'immobilier, l'agrobusiness, la santé, la technologie ou l'éducation. La diaspora est une force économique très puissante, mais elle n'est pas assez utilisée par nos pays. On est toujours en train de penser à faire venir des investisseurs étrangers, alors que les investisseurs africains qui se sont déplacés et qui sont la deuxième, la troisième génération, aujourd'hui il y en a quelques-uns qui veulent revenir investir dans leur pays ou qui veulent revenir investir en Afrique, donc ce sont les afro-descendants. Et aujourd'hui, comment est-ce qu'on leur présente en fait des opportunités et comment est-ce qu'on leur dit c'est la Côte d'Ivoire est l'endroit où il faut venir? Il y a des investissements directs faits donc par la diaspora. Et donc nous pensons que donc ces investissements directs faits par donc la diaspora en direction des collectivités locales, en direction donc des districts, sont une bonne chose. Cela va accélérer la décentralisation, permettre que des investissements soient faits massivement. Des rencontres d'affaires, des conférences débats, mais surtout des visites d'entreprises vont garnir ces trois jours de rencontres. À cette deuxième édition du Forum Repats, des officiels ivoiriens, des investisseurs, mais surtout la diaspora afro-descendante, à l'affût des opportunités. Cet forum est plus que bienvenu. C'est un forum innovant et parce que nous avons beaucoup de... Vous savez, maintenant, ce sont nos enfants, nos jeunes qui sont dans la mondialisation, qui sont partis partout et qui font des start-up. Et je pense que c'est un forum qui est bienvenu pour pouvoir les attirer. Je travaillais au Crédit Agricole. J'étais responsable des activités immobilières sur l'île de France. Et j'ai décidé de revenir en Côte d'Ivoire. Je suis né à Abidjan. Et voilà, une volonté d'un retour aux sources et d'investir au pays dans plusieurs domaines. Organisé par le cabinet PKD World, le forum Repats est une plateforme pour concrétiser les projets d'affaires et d'investissement de la diaspora.
ouverte sur le thème « L'investissement direct de la diaspora afrodescendante en Afrique ». Cette deuxième édition prendra fin le samedi 8 juin après la visite de la ferme agropastorale Djira à Toumodi. Pour inciter les afro-descendants à venir investir dans leur district, plusieurs ministres gouverneurs ont répondu présents à ce rendez-vous d'affaires. Dans leur valise, des opportunités alléchantes pour séduire les investisseurs de la diaspora. Ils se sont exprimés au micro de nos reporters. Nous les écoutons. Mon district, à moi, est un district qui a un énorme potentiel en agro-industrie. Nous avons de belles fermes sur de très grandes étendues, mais nous avons surtout des fermes agro, des fermes agro-industrielles. Le président de la République, dans le cadre justement de la décentralisation, a demandé à ce que nous puissions nous attirer des investisseurs pour développer nos différents districts qui comprennent deux ou trois régions. Les secteurs prioritaires, on commence d'abord par l'agriculture, pour la simple raison que c'est dans le secteur agricole que le district a les plus grandes potentialités, parce qu'on a plus de 100 000 hectares de plaines et de bas-fonds disponibles, et on a plus de 2 millions d'hectares disponibles pour les autres cultures. Le district d'Otolom du Bas-Sandra est le district le plus riche des pôles économiques de la Côte d'Ivoire. C'est la boucle du cacao. Et elle n'est pas prête à se déplacer parce que la région du district d'Otolom du Bas-Sandra produit près de 35 à 40% du cacao ivoirien. C'est la zone de production du palmier à huile par excellence, de l'EVA par excellence. Alors avec de telles productions agricoles, eh bien, il va falloir, après la production des matières premières et tout ça, il faut la transformation de ces produits-là. Poursuivons cette édition en nous rendant à Cotonou, capitale économique du Bénin, où s'est tenue du 30 au 31 mai 2024 à la semaine de la CEDEAO. Initiée par la représentation résidente de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, il était question de célébrer le 49e anniversaire de la création de l'institution sous-régionale des peuples. Plus de détails dans le commentaire que signe mon désir Nascimento. Calavi, à deux pas de Cotonou, s'est tenue la semaine de la CEDEAO, une célébration avec fond de scène, le 49e anniversaire de la création de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Elle a rassemblé les populations des pays membres, des chefs d'institutions, des syndicalistes et autorités ministérielles du Bénin. Au cœur des activités prévues, des forums, panels et communications. Dialogue multi-acteurs pour une participation citoyenne plus active dans la pleine réalisation de la CEDEAO des peuples. Tel était le thème de cette importante rencontre à laquelle Kone Vafi, président du CIESCRAO, a pris part sur invitation de Diongé Mamadou, ambassadeur représentant résident de la CEDEAO au Bénin. En sa qualité de panéliste, Kone Vafi, président de la Confédération des syndicats des conducteurs routiers de l'Afrique de l'Ouest CIESCRAO, s'est prononcé sur les tracasseries routières. Les problèmes de la frontière, d'abord, on perd le temps. Vous voyez, un car arrive dans les frontières et il a cogné, ça avait cogné, on lui fait garer, on dit il faut décharger tout le bagage. C'est pour dire s'il y a 70 occupants, il y a 70 valises. Dis-moi, chaque passager a une valise. Deux personnes, apprenties avec son chauffeur, il peut décharger. S'il ne peut pas décharger maintenant, on dit qu'il faut payer. Lorsque tu payes, tu es libre, il n'y a rien dedans. Mais si tu ne payes pas, tu présentes tes pièces, tous les documents, tu n'es pas bienvenu. Et puis, je parle de la Côte d'Ivoire. Dans un corridor, on dit ça c'est le corridor. Mais c'est six barrages qui sont là. Le président Kone Vafi a profité de l'occasion pour souligner le rôle du transport dans l'intégration régionale. Pour lui, ce secteur devrait concrétiser le vœu de la libre circulation des personnes et des biens. Il a présenté à l'auditoire le mécanisme régional du CIESCRAO. Et les propositions, c'est le mécanisme régional qui a été mis en place par la CEDEAO. Et malheureusement, tout le pays n'est pas encore appliqué, mais chez nous, en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, ça a appliqué. Un cas
Nous, on appelle le contrôle groupé. Un car qui vient garer, nous, on demande tout le corps, il vient au embarquement. La douane, il contrôle les bagages, la police est antidote, tout le monde contrôle. Une fois que c'est fini, on serre le coffre. Et par la bise là, on met un macaron de la CEDEAO. Donc je vous dis que le car aujourd'hui, il quitte Abidjan jusqu'à Cotonou sans ouvrir encore le coffre. Il est bon de souligner que certains pays sur ce mécanisme régional du CESCRAO doivent faire des efforts quant à l'opérationnalisation de cet outil dont le but est de faciliter l'intégration régionale par les routes. Nous recevons à présent l'invité du JT. La Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments est célébrée les 7 juin de chaque année. Sous nos tropiques, précisément en Côte d'Ivoire, la célébration se déroulera sous forme de campagne orientée vers une action de sensibilisation et de promotion des bonnes pratiques d'hygiène. Une campagne dénommée la Caravane Food Safety. Quelles sont les grandes articulations de cette activité spéciale dans la ville d'Abidjan, conduite par Ingénierie Conseil Audi Formation? Pour en parler, je reçois sur ce plateau Raïssa Dibi, directrice générale adjointe de ICAF. Bienvenue, madame. Merci, monsieur Assimi. Que devrions-nous savoir à propos de la Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments? Ce que nous devons savoir, c'est que c'est une journée qui a été instituée par l'Organisation des Nations Unies depuis décembre 2018. Mmh. Et donc, chaque année, le 7 juin, nous avons cette célébration partout dans le monde, pour les industriels, pour les consommateurs et pour tous ceux vraiment qui sont dans la chaîne alimentaire, donc depuis les producteurs jusqu'aux consommateurs. D'accord. Et comme chaque année, il y a un thème bien approprié. Et cette année, le thème de cette journée est... Préparons-nous à l'inattendu. Préparons-nous à l'inattendu. Mmh. Et justement, dans le cadre de cette journée, une caravane dénommée Food Safety. C'est quoi Food Safety? Food safety, on va parler de sécurité sanitaire des aliments. Et donc, ça va être tout ce qui est disposition qui va être en place pour éviter qu'un aliment ingéré puisse rendre le consommateur malade. Voilà, de façon simple. De façon simple. Comment est-ce qu'on peut définir food safety? D'accord. Et qu'est-ce qu'on doit savoir à propos de la caravane qui aura lieu demain? La caravane va sillonner les rues d'Abidjan. D'abord, nous sommes à la 5e édition de Africa Food Safety Forum, qui est organisée chaque année par ICAF, dans le cadre de cette célébration de la Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments. Donc, nous avons l'Africa Food Safety Forum. D'accord. Et cette année, nous avons voulu innover, nous avons voulu changer un peu. Habituellement, nous recevons dans une salle... nos partenaires, les responsables de la sécurité sanitaire des aliments, l'association des consommateurs, des industriels, les propriétaires des normes, ceux qui définissent les exigences en termes de sécurité sanitaire des aliments, et même le GFSI, qui est l'organe suprême de sécurité sanitaire des aliments dans le monde. Alors, nous les recevons dans une salle et nous échangeons sur des thématiques concernant la sécurité sanitaire des aliments. Cette année, nous avons voulu faire différemment. Alors, cette année, ICAF a une caravane qui va aller vers les consommateurs, qui va aller vers les industriels, donc dans leurs usines, rencontrer les personnes qui fabriquent sur leur lieu de travail. D'accord. Et ICAF va aller dans les marchés, vers les consommateurs, dans les rues, pour partager ensemble ce que c'est que la sécurité sanitaire des aliments. Et aussi, justement, vos partenaires sont associés à cet événement, notamment des entreprises qui se sont fait enregistrer. Ils sont au nombre de combien? Nous avons retenu 5 entreprises pour demain, pour la caravane, parce que la caravane, c'est de 9h à 16h et nous ne pourrons pas passer dans toutes les entreprises. Nous avons retenu 2 quartiers à Bobo et Yopougon. D'accord. Où nous passerons dans les industries, auprès des industriels pour échanger. Mais... sur le tronçon, bien évidemment, nous allons visiter des marchés, nous organiserons des micro-trottoirs avec les consommateurs. D'accord. Voilà. Alors, en parlant de consommateurs, en parlant de tous ceux même qui sont concernés sur la Journée internationale de la sécurité alimentaire, est-ce qu'on peut avoir des statistiques? Aujourd'hui, nous sommes à combien de personnes qui sont infectées lorsqu'on parle de mauvaise alimentation ou d'aliments qui ne sont pas bien conservés? Quelles sont les statistiques aujourd'hui?
Aujourd'hui, nous avons plus de 600 millions de personnes qui tombent malades, 420 000 qui meurent chaque année, dues à, certainement par une intoxication alimentaire. Et parmi ces personnes-là, il y a 40 % d'enfants. Cela est largement évitable parce que si nous prenons en place des dispositions, si à l'avance nous mettons en place des dispositions pour pouvoir éviter voilà, que ces aliments-là soient contaminés. Et c'est justement pour cela qu'il y a le thème « Préparons-nous à l'inattendu ». Parce que, avant de constater à la fin qu'on soit malade, les maladies peuvent aller d'une simple diarrhée à un cancer. Donc avant de constater que quelqu'un a consommé et qu'il a été malade, de toutes les façons, lorsque quelqu'un a mal au ventre, la première chose, qu'est-ce qu'il a mangé ? Qu'est-ce qu'il a mangé ? Qu'est-ce qu'il a mangé hier ? Qu'est-ce qu'il a mangé avant-hier ? On commence à regarder. D'accord ? Et on ne veut pas consommer quelque chose pour être malade. Quand on mange, on veut pouvoir profiter de tout ce qui est nutriments de l'aliment. Cela peut être évité parce que les entreprises mettent en place des dispositions. Il y a tout ce qui est à part des bonnes pratiques à la mise en place d'un plan HACCP, par exemple, où les professionnels y comprendront. D'accord. Tout ce qui est risque lié à la fabrication des aliments. Et la fabrication des aliments, ça ne va pas seulement s'arrêter dans l'usine, mais depuis la matière première jusqu'à l'assiette du consommateur. On va passer aussi par tout ce qui est agro-industrie et industrie agroalimentaire. Donc, les engrais, par exemple, pour l'agriculture qui vont être utilisés pour faire pousser les plantes. Oui. Ça va passer par les emballages. Parce que, bien évidemment, on a un aliment qui est propre à la consommation, un aliment qui a été bien préparé, un aliment savoureux et qui ne contient aucun microbe, mais qui est servi dans une assiette sale. Vous voyez un peu ce que ça va donner, y compris les boissons et tout ce qui va avec. Voilà, donc tous ceux qui sont de la chaîne alimentaire sont concernés. Qu'est-ce que le cabinet fait concrètement ? ICAF, c'est ingénierie, conseil, audit, formation, comme vous l'avez dit, dans les domaines de la qualité, de la sécurité des denrées alimentaires, de la santé, sécurité au travail, l'environnement, la responsabilité sociétale des entreprises et le développement durable. D'accord. Et donc, ICAF va aider les entreprises au niveau de l'ingénierie par rapport aux dispositions à mettre en place pour pouvoir avoir une entreprise qui puisse respecter les dispositions préalables en termes de sécurité sanitaire des aliments. Donc, le I, c'est vraiment pour le domaine de la sécurité sanitaire des aliments. D'accord. Parce qu'il y a des exigences en termes de disposition des bâtiments, il y a des exigences en termes de choix des équipements et tout. Donc, ICAP est là pour conseiller les entreprises avant même que l'entreprise ne commence ses premières productions. Ensuite, il y a le C qui va être dit conseil. Donc, ICAP accompagne les entreprises qui veulent mettre en place une démarche. Ceux qui veulent aller à la certification, jusqu'à la certification, pour ceux qui ne voudraient pas, mais qui veulent améliorer leur performance, ICAF est là pour les aider. Il y a le A qui va être audit. Nous réalisons des audits diagnostiques, des audits mystères, des audits blancs, des audits internes pour les entreprises. Nous réalisons les audits également de conformité des cahiers de charges. Et puis, il y a le F qui va être formation, donc formation dans différentes thématiques pour ces différents domaines-là. Alors, je rappelle que c'est demain, 7 juin, de 9h à 16h, la campagne, la caravane Food Safety. Est-ce que vous avez un appel à lancer à la population ? Alors, l'appel pour la population serait de bien accueillir ces caravanes. D'accord. Parce qu'à la fin de la journée, tous les consommateurs sont concernés. Mmh. Que je fabrique l'aliment, je consomme. Que je sois un bébé, je consomme. Que je sois adulte ou vieillard, je consomme. Donc, tout le monde consomme les aliments et nous voulons vraiment profiter de ce que la nature a de savoureux pour nous. Et pour pouvoir profiter, il faut bien qu'il y ait des personnes qui puissent être alertes pour mettre en place des dispositions pour qu'à la fin, on puisse consommer un aliment sans tomber malade. Voilà. Merci beaucoup, Raïssa Dibi. Je rappelle que vous êtes directrice générale adjointe de ICAF. Et avec vous, nous avons parlé des grandes articulations de l'activité spéciale dans la ville d'Abidjan, conduite par Ingénierie, Conseil, Audit, Formation, relativement à la Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments. Merci d'être placé sur ce plateau. C'est ICAF qui vous remercie. Nous nous intéressons à présent aux opérations de déguerpissement à Abidjan qui se poursuivent après ceux enregistrés à Yopougon, Jesco, Mossikro et Plateau. Le samedi 1er juin, c'est le parc à bétail de l'abattoir de Port-Bou et plusieurs habitations voisines qui ont été détruits, laissant des familles dans les pleurs, la tristesse et la consternation. Mon désir, Nascimento, Philippe Zabo et Doumbia Ayouba nous font le point. Port-Boué, dernière commune du sud d'Abidjan avant Grand Bassam. À la porte de cette commune se dresse la statue souriante et accueillante de l'ex-maire Feu Hortense Akangui. Mais ses habitants tant aimés qu'elle a laissés derrière elle n'ont pas le sourire aux lèvres.
Pour cause, la grande opération de déguerpissement lancée par le district d'Abidjan et ses corollaires de familles sans domicile. Le samedi 1er juin 2024, c'est le parc à bétail de l'abattoir de Port-Boué et plusieurs habitations voisines immédiates qui ont été sujets à un rasage. À l'origine, une délocalisation de ce site vers un autre provisoire à Djamé. Les Bouviers, acteurs du PAC, de petits ruminants se désolent. Ils dénoncent le manque de communication des autorités du district qui, en réalité, ne leur ont pas donné le temps pour déplacer leur bétail. D'où le mécontentement des jeunes qui ont opposé un refus aux forces de l'ordre, occasionnant des échauffourées, blessés et d'importants dégâts matériels. Le lendemain, dimanche 2 juin, une action musclée avec des forces de l'ordre a abouti à la destruction du site et des habitations voisines immédiates, faisant des familles sans toit et sans destination. Comme ici, Dame Cam, qui n'était pas à son domicile lors du passage des caterpillars. Conséquence, ses effets, ceux de son mari et des enfants, sous les champs de ruines qui s'étendent à perte de vue. Je vais marcher de Trècheville. Je suis sorti ce samedi matin à 10h. Je suis allé vendre. Et puis je rentre à 19h. Il n'y a pas de voiture. Aïe, j'entends les gens parler que c'est gâté à Pobo, c'est gâté à Pobo. Il dit, mais il y a quel problème? Moi, j'habite là-bas. Je viens, j'arrive en Saint-Coumassi, il n'y a pas de route. Je suis descendu, j'ai commencé à marcher. Je vois, j'ai commencé à lancer les lacrymogènes. J'ai commencé à courir mon bébé pour venir dedans. On dit, madame, faut te retenir. Il dit, mais j'habite là-bas. Avant que j'arrive là, ils ont cassé tous mes bras, ils sont partis dedans. Tout, oui, mais ils n'ont même pas reçu même mes aiguilles dedans. Tout ce qu'il y a eu là, voilà ça. Ils sont venus, ils ont eu des discussions avec des jeunes drogués. Et ils ont profité de ça pour casser notre quartier. Sinon, l'État crie qu'ils sont venus pour diminuer le chômage. Mais ça, là, ce n'est pas pour diminuer le chômage. Ça, c'est pour envoyer les enfants encore à fumer la drogue, à faire n'importe quoi. Bon, je n'ai pas eu même le temps, à cause de les gaz, la climosine, je n'ai pas eu le temps même de faire enlever mes bétail encore, parce que je me cherchais. Toujours à Port-Boué, après le centre commercial de l'abattoir, lui-même épargné de cette opération, le nouveau quartier en détresse. Là aussi, les bulldozers du district d'Abidjan sont sans pitié. Les maisons tombent les unes après les autres sous les pelles des machines face à des habitants sans voix et sans issue. On nous avait dit que le déguerpissement ne concernait pas le nouveau quartier, que ça concernait le parc à bétail. Le parc à bétail. Casse à bétail. Donc aujourd'hui, à notre grande surprise, on dit le ministre-gouverneur dit... Il veut être au centre pour voir le cimetière. Je n'arrive pas à me avoir une bonne réponse. Vraiment que l'État essaie de voir qu'est-ce qui se passe. Pourquoi ils agissent de la sorte? Nous sommes des êtres humains. Avant de venir prendre quelque chose, hein, prendre une terre ou une portion de quelqu'un, la moindre chose, c'est de lui demander. Ça me fait vraiment mal au cœur. Mon cœur est vraiment déchiré parce que je n'ai pas de mots à dire. C'est passé, mes larmes ne peuvent pas couler, mais au fond de mon cœur, vraiment, ça me fait mal. Parce qu'il y a ma fille qui va passer l'examen. Comment on va faire pour se concentrer, pour étudier? Vraiment, j'ai mal au cœur. C'est si nous on est nés. C'est si nous on est nés. Mais Dieu, il faut Dieu va payer ça. Là. Dieu va payer ça. Inch'Allah, aussi Dieu le fait. On a bien, Dieu va payer. On a fatigué. Le ciel semble tomber sur ces personnes non averties de l'arrivée des bulldozers qui en appellent au secours de bons samaritains. Ma papa Ado, faut s'enseigner, nous sommes tes enfants. Pardon, faut chercher solution. Toi-même, tu dis c'est la solution. Faut chercher solution pour nous. En l'air, on ne sait même pas où en partir. En tout cas, on est livré à nous, mais on est dehors ici. À voir de près, ces quartiers n'étaient pas mentionnés sur la liste publiée par le district d'Abidjan, mais tombent un à un. Qu'en sera-t-il des zones mentionnées sur la liste rouge du district d'Abidjan en ces temps de pluie? À la suite de ce déguerpissement, la Fédération nationale de la filière bétail viande de l'Afrique de l'Ouest a organisé une réunion de crise à son siège ce mercredi. Au centre des débats, le récasement des marchands de bétail et l'approvisionnement du marché à 10 jours de la Tabaski. Notre reporter Philippe Zabo a assisté à cette réunion. L'heure était grave et la salle trop petite pour accueillir tous les membres de la COFENAP VIAO. La réunion convoquée à la suite de la délocalisation forcée du parc à bétail de Port-Boué a tourné court. D'entrée de jeu, les membres présents ont fait leur mea culpa
et se sont désolidarisés des casseurs. Ce matin, depuis hier soir, on avait appelé le paysan Issaka Savadogo, qui est le paysan de la Fédération nationale des sociétés coopératives et éleveurs. C'est nous qui avons demandé à le rencontrer par rapport à la situation qui prévaut. Et la première des choses, au nom de tous les acteurs, nous présentons des excuses à l'État de Côte d'Ivoire pour les désagréments causés. Après avoir pris la résolution d'être leur intermédiaire auprès du district d'Abidjan et au-delà du mea culpa et des excuses publiques, une question a été posée au PCA de la Fêtière. À quelques jours de la Tabaski, l'ancienne caste d'Adjamé est-elle prête à accueillir des milliers de bovins en provenance du Niger, du Burkina Faso et du Mali? Et on a un proverbe qui dit que le faute reconnaît et à moitié pardonné. Moi, je ne suis pas le décideur. Ils sont venus me transmettre un message. Et je vais tout faire pour que ça arrive où ça doit arriver. Précisément à monsieur le gouverneur, ministre gouverneur du district d'Abidjan. On est en contact avec l'interprofession de Burkina, Mali, Niger. Chacun a donné un document pour confirmer leur disponibilité et les quantités des animaux qu'ils vont amener en Côte d'Ivoire. Donc nous sommes rassurés. Après la réunion, une visite de terrain s'est imposée. Là, nous avons découvert un espace en chantier et des opérateurs qui ont décidé de prendre le taureau par les cornes en construisant des enclos pour accueillir les cheptels. En tout cas, j'ai eu mon enclos, j'ai été la deuxième personne à avoir mon enclos ici. Et vraiment, l'enclos m'a coûté 180 000, un enclos, mais j'ai pris deux enclos ensemble qui font 360 000. Et pour l'investissement de l'enclos, vraiment tout m'a coûté une fortune de 2 500 000. En plus du site de 15 hectares de l'ancienne casse d'Adjamé, un autre de 4 hectares, appelé Port Sec, toujours dans la commune d'Adjamé, accueille les acteurs de la filière bétail. Rappelons que ces deux sites sont provisoires. L'ambition du district autonome d'Abidjan est de construire un abattoir moderne d'environ 228 hectares à Anyama. Un mot de littérature. Quand la nature parle aux hommes, c'est l'ouvrage qui a fait l'objet de rencontres le mercredi au CESEC, Conseil économique, social, environnemental et culturel. L'auteur n'est autre que l'un des conseillers du CESEC, Gomé Hilaire, qui consacre sa vie à la protection de l'environnement. Présentations et dédicaces ont été faites devant les conseillers économiques, acteurs de l'environnement et de l'ambassadeur du Canada en Côte d'Ivoire, entre autres. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la Journée mondiale de l'environnement, nous témoignent Zénab Dosso et Marie Seri. Depuis des années, son combat reste le même. Contribuer à la gestion des forêts sacrées, à la protection de l'environnement à travers des actions, mais aussi à travers l'écriture. Il s'agit de Gomé Nyoité Hilaire, conseiller au CESEC, Conseil économique, social, environnemental et culturel. Il est venu présenter le dernier né de ses ouvrages à ses compagnons de lutte à l'occasion de cette cérémonie de présentation et dédicace au CESEC. À travers cet ouvrage, « Quand la nature parle aux hommes », l'auteur révèle que les êtres humains ont beaucoup à apprendre des animaux et des arbres, entre autres, en étant des concitoyens et acteurs de développement durable. Ce que j'essaie de faire, c'est de mettre à la disposition des populations des moyens pour être des vrais acteurs du développement durable. C'est à la population de s'en servir dans de bonnes conditions. Quant à moi, à titre personnel, j'ai dit que je reviens au combat pour l'environnement. Donc, je vais reprendre mon bâton de pèlerin pour sensibiliser les populations à la sauvegarde et à la protection de l'environnement. Parce que si on ne le fait pas, nous allons périr. Un combat applaudi et soutenu par l'ensemble des conseillers économiques, des acteurs environnementaux, des ministères et par-dessus tout, le président du CESEC, Dr Eugène Akaouélé, parrain de cette cérémonie. C'est d'ailleurs lui l'auteur de la préface de l'œuvre « Quand la nature parle aux hommes ». Pour l'occasion, il s'est fait représenter par son vice-président pour exprimer son intérêt. C'est avec beaucoup d'honneur et de plaisir que le CESEC accueille cet ouvrage. Dans sa mission, dans une de ses missions, c'est de veiller, de faire des propositions sur la protection de l'environnement. C'est pour cela que dans nos commissions, il y a la commission environnement et cadre de vie. Donc quand on voit une production comme ça,
qui d'abord relève l'état, les agissements des hommes allant dans le sens de la destruction de la nature, ça nous donne beaucoup d'idées pour faire des propositions. Né le 31 juillet 1957 en Côte d'Ivoire, Gomé Nyoité Hilaire est juriste et titulaire d'un diplôme d'études supérieures de sécurité sociale. Président fondateur de la Croix Verte de Côte d'Ivoire, il est membre au Conseil économique, social, environnemental et culturel, pour ne citer que ses titres. La rentrée solennelle du Master IDS-NSC a débuté ce mardi. Ce programme vise à améliorer l'employabilité des diplômés en Côte d'Ivoire en intégrant la professionnalisation et le développement personnel. Hébergée à l'université Nangui à Bourgoua, la particularité de cette formation consiste à se concentrer sur l'accès à l'eau potable en zone rurale via des pompes solaires. Les détails dans ce reportage de Diane Kablankan et Valentin Kra. La rentrée solennelle du programme de Master IDES-NSC est désormais lancée. Ce projet, à travers son programme, a initié en réponse du phénomène croissant des chômages des diplômés de l'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire. Il met l'accent à l'amélioration de l'employabilité des jeunes diplômés en intégrant la professionnalisation, le développement des compétences transversales et le développement personnel à travers des activités para-universitaires. Le programme de master, axé sur la pratique hébergée à l'université Nangui à Bourgoua, vise à améliorer la fourniture en eau potable dans les zones rurales grâce à des pompes hydrauliques alimentées à l'énergie solaire. On a travaillé avec une université allemande qui a commencé depuis 2021. Donc, l'objectif du projet, on va dire, c'est d'attaquer deux thématiques. La thématique de l'employabilité, parce qu'on s'est aperçu que les formations sont très théoriques et les étudiants sortent et ils ne sont pas automatiquement employables. Donc on a décidé de mettre en place un master en suivant le modèle allemand qu'on appelle la formation en alternance qui allie à la fois la théorie et la pratique. Ces étudiants actuellement inscrits dans ce programme expriment une grande satisfaction. Ils apprécient particulièrement l'approche pratique de leur formation, les opportunités d'interaction avec des professionnels de l'industrie ainsi que la pertinence des compétences acquises pour le marché du travail. Moi, j'ai été dans un master auparavant et j'ai dû finir le master et venir intégrer ce master-là pour rechercher les compétences pratiques. Il faut dire que dans cette formation, nous sommes au contact avec les appareillages, que ce soit les panneaux, les onduleurs, régulateurs, tout ce qu'il faut pour le système solaire. Et donc, c'est vraiment un master pratique, très, très pratique, comparé aux autres masters, c'est ce que je peux dire déjà. Peut-être que vous le sentez déjà, un peu plus de confiance en moi, parce que je n'ai pas l'habitude de parler devant tout le monde, mais grâce aujourd'hui à cette formation, je peux m'arrêter devant des partenaires, m'arrêter devant vous et exprimer ce que je sais, ce que je connais. Le programme de Master IDES-NSC se positionne comme une réponse innovante et efficace au défi de l'employabilité des diplômés en Côte d'Ivoire, en harmonisant les besoins académiques et industriels pour former des ingénieurs prêts à contribuer au développement socio-économique du pays. Parlons culture dans ce journal. Du 22 au 24 août 2024, la ville de Lakota, précisément Neko, va accueillir la première édition de Didé Festival au bénéfice du peuple Dida et de toute la population ivoirienne. Un festival initié pour la première fois par l'ONG Dédi CI qui valorise le patrimoine culturel ivoirien et contribue à l'autonomisation des femmes et des jeunes filles vivant en milieu rural. La cérémonie de lancement s'est tenue dans la commune du Plateau devant plusieurs autorités, fils et cadres de la région. Zénab Dosso et Ezekiel Seri rapportent les faits. En route pour le Dédi Festival à Neko. Dans la ville de Lakota, Didé Festival à Neko, première édition, c'est du 22 au 24 août 2024. Au Didé Festival, voici un avant-goût de ce qui sera donné de voir.
au-delà des prestations artistiques, de la musique terroir, plusieurs autres activités vont meubler ce rendez-vous culturel. Ce sont entre autres des formations sur l'entrepreneuriat agricole et des partages d'expériences avec les femmes gourous sur les techniques de production et d'écoulement des produits vivriers. Notre idée de la culture se veut dynamique, c'est-à-dire une culture qui nourrit, enrichit, éduque, rassemble et pacifie en même temps qu'elle réjouit. Une culture qui allie les coutumes au développement et au bien-être des populations. Donc pendant ces 3 jours, nous allons avoir 3 activités majeures. Vous savez, Didier ne fait rien au hasard. Avec Didier, tout se fait en 3, parce que Didier est beaucoup spirituel, parce que Didier croit que c'est par la spiritualité qu'on peut gagner le monde. Didier Festival est une idée de l'ONG Didier Côte d'Ivoire, avec à sa tête Dany Omer Dagoboga, en vue de valoriser le patrimoine culturel ivoirien. Plusieurs autorités de la région et même les footballeurs ont accepté de soutenir la présidente, mère de footballeurs. Tiré du vocabulaire Dida, le mot Didée signifie le vivre ensemble, un objectif que l'ONG Didée Côte d'Ivoire s'est fixé depuis sa création le 5 février 2023. Pour Didée Festival 2024, l'ONG entend mobiliser la somme de 50 millions de francs CFA pour la formation et l'acquisition de matériel agricole pour soutenir 10 associations de femmes à base communautaire. Je vous l'annonçais, Siri Karim a été élu président des conseils d'administration Café Cacao de Côte d'Ivoire lors d'une assemblée générale élective de l'association. Pour son projet à court terme, c'est la réorganisation de l'association qui a traversé les périodes difficiles. Charles Kouakou, commenté par Pierre Tebeu. Pour cette assemblée générale élective, 2 candidats étaient en lice. Serme Karim, président du conseil d'administration de la coopérative Kayawa d'Abengourou, et Moussa Sawadogo, président du conseil d'administration de la coopérative Sempa Agboville et président sortant. Les présidents de coopératives de 13 régions sont venus nombreux pour prendre part à cette élection de leur président, à qui sera confiée la destinée de leur association pour les 3 prochaines années. Après la présentation des autorités présentes et les consignes de vote, chaque candidat a eu un temps de parole pour présenter son projet pour l'association. Puis s'en est suivi le vote sur la supervision de Maître Kofi Pascal, huissier de justice près le tribunal de Toumoudi. 281 votants étaient inscrits sur la liste électorale. Après les votes, Serme Karim a obtenu 162 voix, soit 57,65% de suffrages exprimés. Et Moussa Sawadogo a obtenu 118 voix, soit 42,35% de voix. Mes premiers mots d'abord, c'est de dire merci à notre créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Merci à mes collègues. Merci au président de la SPCACC qui m'ont donné leur confiance. Et je dis merci même à ceux qui ne m'ont pas voté. Parce qu'on ne peut pas faire de l'unanimité sur cette terre. Mais à travers votre micro, je lance cet appel. Que ce soit le président sortant, que ce soit le bureau sortant, je les invite tous pour ma mandature de 3 ans. Le projet immédiat, d'abord, c'est la réorganisation. Vous savez, avec ce qui a secoué notre association, il faut réorganiser rapidement avant la fin du mois de juin, finir l'organisation, mettre le bureau en place, remettre toutes les instances en place et commencer maintenant les différents combats, car c'est une nouvelle campagne qui commence pratiquement fin août. Cette élection s'est bien déroulée dans l'ensemble puisqu'elle a permis aux participants à la fin de l'Assemblée générale élective de choisir le nouveau président. En image à présent, le Sénégal vient de réussir une levée de fonds de 750 millions de dollars sur le marché international de la dette. L'Eurobond
émis en deux tranches et assorti d'un taux d'intérêt de 7,75% et d'une maturité de 7 ans. Il faut souligner que le Sénégal s'apprête à devenir dès cette année l'un des principaux producteurs de pétrole et de gaz d'Afrique subsaharienne grâce à d'importantes découvertes réalisées au cours de la dernière décennie dans le secteur des hydrocarbures. Et voilà qui marque un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez en notre compagnie. Le programme se poursuit sur la télé utile.